Bring your money, then bring your capital. Bring your bitches, not talking animals. Rather way, sucking off the heat, yeah. Bring your girls, then bring your beats. Et salut, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, ici Darkhister 4, ou Darkhister tout court, en direct du serveur Brumer pour le second épisode de du Coliseum. Coliseum, je sais même plus comment je l'appelais. Coliseum Turum, quelque chose comme ça, je m'en souviens même plus. Voilà. Voilà pour le second épisode. On va accepter le colis. Ah, c'est bien. Ils ont validé. Alors. Oula, non, on va laisser le tactique. Voilà. Donc j'espère que. Oulala. Alors on va tout de suite. Oula, mais qu'est-ce que je fais? Ah non, d'accord. Donc ça a l'air un peu comme dans la première vidéo. Il n'y a pas énormément d'équilibrage. Là, il y a une team en face. J'avais même pas remarqué. Non, on dirait pas. Ouais, je sais pas. Alors, sans plus attendre, commençons parce que là, le combat est en préparation. Voilà, donc je vais rester là. Alors, on va commencer je vais présenter mon équipe tout d'abord. Avant, une petite chose, juste avant, précision. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise dans la seconde vidéo. Et bien, je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que c'est que cette surprise. Et bien, la surprise, c'est que vous pouvez participer à mes vidéos, vous pouvez venir en commentary, en Coliseum. Pour ça, donc c'est ça la surprise, hein, voilà. Pour ça, il vous suffit. Vous avez. Alors, il y en a qui me demandent c'est quoi. Alors, je vais juste y répondre. Prochaine vidéo. Voilà. Je ne fais pas trop de bordel. Parce que ma souris fait un énorme bruit maintenant. Voilà, donc. J'en disais, alors pour participer donc au Coliseum avec moi, vous avez soit deux choix. Soit vous avez envie de parler avec moi, c'est-à-dire. Hop. Vous avez envie de parler, soit vous êtes plutôt du genre timide et vous ne parlez pas, enfin, ou alors vous avez tout simplement par Skype. Ça c'est vous qui faites, c'est vous qui voyez. Moi je suis pas vous obliger à parler si vous avez pas envie de le faire. Mais écoutez, tel est votre choix. Je vais rester là. Je vais le dire plus tard. Voilà. C'est tout simplement, vous pouvez participer donc aux commentaires, ça y a pas de souci. Donc soit vous parlez, soit vous parlez pas. Alors comment s'y prendre? Alors je pense que je mettrai un système où soit vous laisserez le commentaire, soit vous m'enverrez un email, je sais pas, je mettrai dans la description. Donc lisez bien la description, tout sera noté. Voilà pour la petite surprise, donc c'était ça, j'espère que vous apprécierez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire toujours d'autres idées de projet, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, je pense que je prends un commentaire. Donc sans plus attendre, là on va décrire quand même ma team colis. Donc je suis tombé avec Dead Skater, un SRAM de niveau 190 avec 1100 de cote. Moi-même de niveau 169, un Yop avec 971 de cote. Et un Sadi Buldo Ben de niveau 180 avec 1014 de cote. Donc, c'est pas super équilibré comparé à la team d'en face, mais c'est pas trop grave. Hein. Ouais, il n'y a aucun niveau plus de 167. Hein, ils sont tous en dessous. Alors, je suis contre une Sramet Evil Srabi de niveau 157. J'allais dire un Nekaflip. Nosamodette, si on peut dire ça, Nosamodette, de niveau 167, je crois que là je joue pas invoque. J'ai pas vu quel élément elle était, je suis pas trop le combat depuis tout à l'heure. Et une Eni, bon, feu, hein, de niveau 139. Oui, feu. Elle a les résistances, c'est du feu. Voilà pour ce qui est des deux teams. Qu'est-ce que je vais dire? Bah, je crois que j'ai terminé pour les présentations. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du colis parce que depuis tout à l'heure, là, je suis un peu occupé à vous parler. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, ça c'est des petites sournoiseries, rien de méchant. Putain, au début, je croyais que c'était un sacrilleur, mais en fait, c'est un sadi. Alors, quand même, alors là.
J'avais même pas remarqué, mais c'est le premier colis que je fais depuis l'histoire de Dofus sans crash, c'est assez bizarre. Le tout premier, bon, il y a une première fois à tout. C'est assez bizarre quand même qu'il n'y ait pas de cra pour ce colis-là. Mais bon, ça nous aurait peut-être servi parce que là c'est quand même une map PO peut-être. Il y aurait eu quand même certains angles de vue. Bon, je suis pas. Ouais. Donc, ouf, là, un petit bug de micro. Voilà. Losamodette. Bon, je vais dire Losa parce que là, ça fait trop bizarre. Puis il y a mon chat qui dort sur mon ordi là. Non. Un petit échec critique. Elle a l'air de bugger là. Oh, non. Je vais booster le SRAM à 2. J'aurais plutôt boosté les nids quand même pour les PA. Juste, alors, elle soigne, a priori. Ouais, donc il y a des feux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, ouf, le mauvais jet. Ah non, d'accord. Donc les nids réduits. Hein, là. Voilà. Alors, je pense que le Sadi va jouer retrait PM. Non, il n'a pas énormément joué invoque. Non, la surpuissante, elle a été fouettée, je crois, en plus. La petite gonflable qui va nous fournir un petit soin. Je crois que c'est tout. En attendant, pour meubler un peu, qu'est-ce qu'il y a de. Bah, alors, j'ai rien de nouveau dans mon stuff, si ce n'est. Ah oui, voilà, en parlant de la parabiote. Alors, je tiens à faire un énorme remerciement à Draknight. Un énorme merci à toi, parce que Draknight, donc, c'est elle qui m'a offert cette coiffe parabiote, parce qu'elle a arrêté Dofus et. Elle avait regardé une de mes vidéos, elle m'avait dit que j'avais fait du bon boulot et je sais pas, elle a décidé de me l'offrir. Donc un énorme merci à toi, ça fait super plaisir quand même. C'est pas tous les jours non plus. Donc merci à toi, grosse bise. Voilà, grosse bise. Bon. Donc maintenant. Après, voilà, je me suis abonné 6 mois et donc j'ai une cape Rolivant, je crois, oui, c'est ça. Le cap relevant, donc elle est obèse, hein. Je voulais la monter absolument level 20, mais je peux plus la nourrir, décidément, voilà. Voilà, donc les niveaux 6, celle-là je la garderai. Ma team, je pense, je vais sûrement la stuffer Obji, peut-être parce que Para, ou Obji ou pas, ouais, je verrai un des deux, celui qui me semble le meilleur. Voilà, pour ce qui était de leur sujet du colis. Donc on va continuer à parler du Coliseum. Alors il a déclenché un petit piège de silence, ça lui a enlevé 2 PA. Ouais, alors il s'est fait repérer. Quand même, le SRAM il descend un peu au niveau vita, il a perdu 700 PV. Et s'il me semble bien, je crois qu'il est au Dagger, hein. J'ai pas vu, hein. Depuis tout à l'heure je suis pas. Faudrait que je sois un peu plus attentif. Je crois qu'on est en train de focus le mini. Tiens, là, il est chiant avec ses sournoiseries lui. Bordel de cul. Bon bah allez, moi je vais foncer, je vais pas attendre qu'il se fasse décimer. Bah alors, c'est parti. Chut, bang. Quoi? Eh, hey, oh. Oh, ça réduit, oh là. Non, t'es sérieux. Dommage réduit de 240. Oh, j'ai trop mal joué. Oh là, il faut que je sois plus attentif parce que là, ça devient du n'importe quoi. Tiens. Voilà. Bon, je vais rien marquer, j'ai rien à dire pour l'instant. Donc, il va falloir vraiment que je sois plus attentif. Donc là, je vais plutôt regarder ce qui se passe à l'écran. Oh là, il va me debuff là, putain. Enfoiré, ben. Putain. Voilà, super, je suis debuff. Donc, alors, je pense que je vais plutôt foutre. Tiens, il a des buffs. Alors pourquoi il a des buffs là? Qu'est-ce qu'il. Ah oui, d'accord, la réduction. Alors ouf. Donc a priori c'est un Sadi neutre et neutre et haut, on dirait bien. Il a loup-garouillette donc d'avoir un petit peu de chance. Ouais, je sais pas. Donc il tape neutre avec le loup-garto. Donc il est un peu force, un peu haut. Ça peut peut-être donner des bons trucs. Alors il a. Elle est encore au marteau de pouce. Ouais, non, c'est normal, j'ai rien dit.
De toute façon, je pense que je vais la. Non, je sais pas si. Ah non, mais je suis debuff, je vais rien taper. 3 CC, elle est morte. Oui, mais je suis debuff. Voilà. Ah non, d'accord, c'est lui qui va le faire. Oui, bon. Ouf, alors là, il n'y a pas de souci. Voilà, il est au dagueudin. Voilà, elle est morte. Pouf, ça c'est fini. Adieu. C'était vite fait, hein, quand même. Bon, ben, en tout cas, voilà ce qui m'attend. Hein. Des jolis dagueudins, par contre. Comme j'ai dit, je sais pas si. De toute façon, je regarderai, c'est clair, mon string et tout. Bon, parce que la reprise de vie est super intéressante. De toute façon, ça dépendra de la team qui sera en face de moi. Et je pense que pour le PV, étant donné que j'ai un Eni, ça ne me servira peut-être pas à grand-chose, à part pour compléter les soins, mais c'est pas ce qui me semble le quoi, ou ça. Oui, donc il va absolument qu'on ressource ça. Donc, c'est pas ce qui me semble énormément utile. Mais ça peut toujours l'être, hein, on sait jamais. Il y a des fois où le Nini il a plus de PA et vous récupérez vos PV comme ça. Oh là là, c'est. Je fais un rock vraiment de bite. Voilà, je lui ai à peine tapé du 700, donc l'équivalent d'un seul coup critique du SRAM. Je suis un peu petit à côté quand même. Oh voilà, le truc. Ah bah, de toute façon, on va killer le. Ah, ça c'est un peu chiant quand même que celui qui réinvoque. Alors, état insoignable, état 215 vita. Ah, bah attends, focus. Oui. Go, oh ça. Donc là, a priori, ils veulent tous focus le sap. De toute façon, il va crever en même temps. Donc, il n'y aura pas de soucis. Alors, un petit coup d'Ougarto à 388 et un second à 280. Alors, les jets sont pas énormes. Ah si, quoique, non, ils sont pas énormes. Les jets sont aléatoires quand même, on dirait. Elle va recon. Ah putain, non, mais ça c'est. Je sais pas pourquoi, mais pour les ninis quand même, c'est assez abusé de réinvoquer. Je sais pas, il pourrait quand même être insoignant. Ah non, elle va pas recon. Alors pourvu qu'elle recon. Ah ouf, alors c'est bon ça. Ah mais de toute façon elle est insoignable. Je sais pas si ça l'empêche de soigner ou de recon. Peut-être que y a un truc avec, je sais pas. Non, ça l'empêche pas de soigner, mais peut-être que ça l'empêche de reconstituer. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que. Oh non, il lui reste. Ah mais de toute façon, la Sramette pourra rien faire. Nini Loub, PTDR. Bon là, on gère. Ouais. Donc, de toute façon, après, ça va être à moi de jouer. Je pense que je vais pas de dague au cas où qu'il y a une couille, parce que on sait jamais. Je pense que le SRAM a moins d'un. Ah non, si elle fait pas de CC. Ouais, voilà. Donc là, on a quand même une bête de chance. Il aurait pu crever. Et je vais pas risquer quand même de faire un vieil EC. Voilà. Donc, triple kill. Qu'est-ce que je. Alors, je sais pas si. Allez, je vais faire ça au cas où que il voudrait taper au Garto. Alors, que va faire ce petit Sadida? Je pense qu'il va. Ouais, bah, il va faire un petit coup. Alors, j'ai bien. Non, en fait, je me décale ou pas, ça n'a rien changé. C'est la première fois que je vois un Sadi au Ougarto, donc c'est pas plus mal quand même, ça rentre quand même assez bien. Donc, petit rond, pas super bon G, on dirait. Enfin, 300 à peu près. Bah, je dirais peut-être le Brock. Ah non, mais de toute façon. Alors, s'il fait un coup critique. Ah non. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Ah, elle va pouvoir se barrer loin en plus là, il va falloir que je fasse des bombes et tout. Alors attention, le SRAM il est mort, ça c'est clair. Voilà, on a un coup de dague, il s'est fait régler. Qu'est-ce que va faire la SRAMette? Toujours des coups de dague. De toute façon, elle peut se barrer comme elle veut là. Il reste 1500 PV au Sadi, donc de toute façon on a gagné là, je pense. Ouais, on a gagné. Je pense que je vais amener ce petit individu au Sadida. Tiens, toc. Attrape. Tiens, je te l'envoie. Voilà, c'est la lui dirait là. De toute façon, je pense qu'il l'a fini, à moins d'un échec critique. Ah bah non, même pas. Oh, même pas tapé de dommage. Voilà, c'était le deuxième épisode de. Et mais franchement, je me souviens même plus.
Voilà, Coliseum, je sais même plus quoi, apocalyptique, enfin je sais pas, j'ai une mémoire de poisson rouge, bordel de cul. Voilà, c'était donc le deuxième épisode du Coliseum, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez encore, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos idées de projet dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre candidature pour apparaître dans mes vidéos dans les commentaires aussi. Donc, ah oui, juste petite précision, pour pouvoir participer, je vais vous donner, de toute façon tout sera dans la description, je pense une cote entre 800 et 1200, parce que sinon ça devient un peu abusé quand même, et c'est pas énorme équilibré. Alors déjà que là c'était pas super équilibré, alors imaginez-vous avec une cote de 1500 quand même, ça donnerait peut-être un niveau 199, hein. Voilà. Voilà, donc dernier truc, j'ai up niveau 169, me manque plus que deux putains de level et ça va être les plus longs je pense là, parce que vraiment quand vous avez un équipement dans les inventaires et qu'il vous reste pas énorme de niveau, je peux vous dire que vous en chiez les cactus. Voilà. Elles sont là, prêtes à être utilisées, d'ailleurs. Non, on peut pas les bouger. Voilà, prêt à être utilisé. Allez les amis, portez-vous bien et à la prochaine.